sûre que tu as déjà mis au moins un de ces trois ingrédients en micro-ondes alors qu'il ne faut pas du tout. Premier ingrédient, le riz. Réchauffant en micro-ondes, on s'expose à un risque d'intoxication alimentaire. Selon les études, ce risque est dû à une bactérie présente dans le riz déjà cuit. Ce micro-organisme ne résiste pas à la chaleur du micro-ondes, mais il peut produire des spores toxiques qui résistent à des températures élevées. Études réalisées par des chercheurs de l'université de Cambridge montrent que le riz réchauffé au micro-ondes puis laissé dans une pièce à température ambiante ferait multiplier ces spores, entraînant une intoxication se traduisant par des diarrhées ou des vomissements. Deuxième ingrédient, le poulet. Si tu trouves que l'intérieur de ton poulet est rosé, ne termine surtout pas la cuisson au micro-ondes. La chaleur émise par le micro-ondes ne suffit pas toujours à tuer toutes les bactéries. Le poulet peut contenir des bactéries comme les salmonelles, elle est présente dans l'intestin des volailles et peut provoquer des diarrhées, des vomissements ou encore de la fièvre. Et troisième ingrédient, les œufs durs. Une étude publiée en 2017 dans le journal Science Daily montre que c'est dangereux pour la peau, pour la bouche et même pour les oreilles. Quand on réchauffe un œuf dur au micro-ondes, il se met à gonfler. Il peut donc exploser si on plante une fourchette dedans. Cette explosion peut provoquer des brûlures importantes. Elle entraîne aussi une déflagration qui se situe entre 86 et 133 décibels, soit le bruit d'un moteur d'avion.